بسم الله الرحمن الرحيم خوتي الجزائريين مساء الخير عليكم bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. اليوم جماعة راح نحكيو على un événement très important qui s'est déroulé le jeudi passé هذايا. C'est la rencontre تاع les deux chefs d'état-major تاع l'armée française ou تاعنا حنا تاع l'armée algérienne. Bon, l'événement en question il s'est déroulé au siège de l'état-major, ministère de la défense. Bien sûr, c'est une relation très importante pour plusieurs raisons. Je dirais que ça devait se faire d'une certaine manière, vu un petit peu la situation, on va dire, de la relation des deux pays, notamment avec les événements qui se passent au Sahel, etc. Déjà, on a abordé le sujet dans plusieurs vidéos. Donc, je ne suis pas vraiment surpris. Peut-être le timing, personne ne savait quand est-ce que ça allait se dérouler, mais finalement, ça s'est déroulé. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu ma lecture à l'événement. France, depuis 2019, je dirais qu'elle s'ingère dans le problème de l'Irak. Et on va dire elle soutient on va dire une autre idée concernant la politique algérienne, ce qui est on va dire d'une certaine manière une ingérence. Ou c'est, je parle bien entendu là le projet Ahmed à la transition. Bien sûr, certainement qu'ils ont des relations à gauche et à droite au sein de on va dire de comment dirais-je, on peut pas appeler ça les opposants, les activistes plutôt, on va dire les activistes qui exercent au sein de l'Hirak Hadaya. Donc, pour ne pas trop s'étaler sur le Qadiya Hadi, nous allons directement sur le vif du sujet. Donc, chef Nabli, le chef d'état-major de la France, il est venu. Donc, certainement, on va dire il y a des sujets d'une extrême importance, peut-être même d'une extrême urgence, concernant par exemple l'affaire du Sahel. L'Algérie elle est revenue dans la scène on va dire militaire. Donc à partir de l'organisme Hadaka, le CEMOC, qui était une initiative algérienne, Qdema, ça a été initié, je pense, au début de 2010, mais ça a été torpillé. Ça a été torpillé par qui? Parce que l'Algérie, elle avait besoin de partenaires au niveau du Sahel. Ça a des partenaires Hadouma. France a dit qu'elle ne travaille pas avec l'Algérie, d'une certaine manière. D'une certaine manière, d'une manière officieuse. Ce qui fait que l'Algérie n'a pas pu vraiment, on va dire, comment dirais-je, concrétiser l'idée Hadia sur un plan technique d'une manière efficace. D'accord? Gardez la hikaya Hadi dans le tiroir. Bien sûr, le siège, c'était le siège de CEMOC Hadi, le dispositif, c'était à Taman Rasset. Bon, il y a eu l'intervention de la France qui a pris le dossier Hadi dans le Sahel. D'une manière يعني, pratiquement totale. Ou elle a été, on va dire, je ne dirais pas aidée, en quelque sorte. Parce que les pays, le Sahel, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment une grande souveraineté. Donc, ils ont tout abandonné pour la France. Bah, il n'y a pas de résultats, il y a même des résultats contraires. Ce qui fait que donc, l'Algérie, elle a profité de ça, dans un sens où les pays Hadouma, ils commencent à en avoir marre un petit peu de la situation. Le CEMOC. Et maintenant, ça se concrétise. Ça se concrétise. Et on va parler avec plus de détails après. En attendant, on va voir quelques clichés, à la visite Hadia. Alors, on a bien sûr, le siège d'état-major. La visite. Là, d'ailleurs,
le général en chef. Donc, une visite protocolaire, militaire, une cérémonie, on va dire, militaire. Bien sûr, il y a les représentants les attachés militaires de la France, etc. etc. Donc, c'est normal. Un accueil très, très respectable. Voilà. On a d'ailleurs discuté. Ok. Donc, un échange, etc. Ça, c'était un geste très, très fort. Ah, comme un bel, comment dirais-je, l'héritage historique de la guerre d'indépendance avec les litiges qui ont actuellement à Rome, en France, notamment le dossier Talamouane, etc. Donc, voir le général en chef mettre un bouquet de fleurs, c'est une symbolique, et surtout l'inanhna. Donc, en quelque sorte, je dirais que c'est un petit pas dans une certaine mesure pour essayer d'améliorer la relation Hadia et on va dire de passer à quelque chose de plus concret, on va dire une véritable relation respectable. Voilà, Tahi. Donc, c'est une symbolique très très forte. Ok, Allah yirham. Voilà. Donc, je m'entoure, je Nchoufou, le texte qui a été lu par le chef d'état-major, Monsieur Chengreha, où il goul, rapidement, l'Algérie considère que la stabilité et la sécurité de son voisinage sont directement liées à sa sécurité. Donc, en quelque sorte, il explique à son interlocuteur. Belli, on fait partie de la zone Hadia, donc la sécurité est à la zone Hadia et la sécurité est à l'Algérie. Donc nous prenons très au sérieux. Pour cela, d'énormes efforts sont consentis par mon pays à travers l'adaptation des dispositifs militaires tout au long des frontières. Ça veut dire qu'on est présent tout au long des frontières. L'armée algérienne est présente tout au long de ses frontières, en vue de concrétiser la stabilité dans les pays de l'espace méditerranéen. Ça veut dire qu'il ne parle pas uniquement au niveau Sahel, il parle même l'espace méditerranéen même. Ça veut dire la région de la Méditerranée même nous intéresse. Tout ce qui se passe sur la Méditerranée touche à la sécurité nationale algérienne. Vous êtes comme le management, vous êtes comme la zone Hadikam latine. D'accord? Et inclut bien sûr la Méditerranée. À cet effet, conscient de l'ampleur du danger que représente le terrorisme sur la paix et la stabilité régionale, l'Algérie n'a pas lésiné sur les initiatives et le soutien en direction de ses voisins pour coordonner les efforts sur la base d'une vision commune à travers le mécanisme du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC. Ça veut dire là, il affirme. Ça veut dire quoi? Le chef d'état-major de la France, l'idée pour la solution et pour la sécurité au niveau du Sahel, ce n'est pas le G5. Parce que le G5 Sahel, c'était une initiative française. D'accord? Donc, en contrepartie, l'Algérie, elle travaille dans un autre cadre. Le CEMOC. D'accord? Ou le CEMOC me fait France. D'accord? Parce qu'à un certain moment, France elle a souhaité qu'il y ait la présence de l'Algérie le G5 Sahel. L'Algérie, bien sûr, elle a refusé. D'accord? Ou il y a eu un autre truc, c'est qu'à un certain moment, ils ont voulu même intégrer le Maroc. Ou un bel comme le Maroc, il n'a pas de frontière, mais le Sahel. En plus, le Maroc a un litige. Un litige avec un pays voisin, les Sahara al-Gharbiya. D'accord? Ce qui fait que l'Algérie n'a pas accepté. Donc, pour cela, l'Algérie, elle a eu déjà l'idée à dire avant le CEMOC. Mais, comme les pays, même Chaouch,
Je dirais que, en quelque sorte, ils nous ont, je dirais, je n'employais pas le terme trahi, parce qu'en réalité, on le savait en avance, il y avait une probabilité d'échec ce début. D'accord? Parce que le CMOK a avec les événements ou l'échec des Sarao, maintenant, on va dire que c'est le retour en force de le CMOKD sous l'égide de l'Algérie. D'accord? Ce qui veut dire quoi, là? Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. La France, عندها un G5 Sahel, on bad. يتفرع راح يدخلوا فيه امور اخرى دونك ما نقولكموش ماشي ملاحه لينا حنا اون فا جو با افونسي سا تو سويت خليوها من بعد باسكو كاين حوايج قاعدين يصراو وهضرنا عليهم ديجا في فيديو قديمه بوفي الي كونسولتي جو بونس لو تيتر سيتي كونيتر نوتر ريفال استراتيجيك دونك كيما قلت لكم هاد لو كونفلي دانتيري هدايا سي كو ميم كيك شوز دو غادير دو تري كونكري وعندو تبعيات عندو تبعيات وراح نشوف واش راح يكون المهم نزيدو نكملو فوالا جو تيان ا ايفوكي لا بروبليماتيك دي نيغوسياسيون هنا اون اي لامبلوي لو تيرم بروبليماتيك بروبليماتيك بالعربيه Il est quand même échevalte, il y a ishkalia. Ça veut dire, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas aussi, on va dire, les choses ne sont pas, ne se déroulent pas comme on veut. Ça veut dire qu'il y a des obstacles. Qu'il y a un omor, mais je vais me faire un omor, d'accord? Une problématique. Donc, là, Gunna. Je tiens à évoquer la problématique des négociations au sein du groupe algéro-français au sujet des anciens sites d'essais nucléaires. Donc, là, je vais donner le dossier sur les essais nucléaires. Un bel comme les accords d'Évian, il y avait une clause qui autorisait la France à exploiter une zone, le Sahara, d'accord, jusqu'à, je pense, jusqu'à 1966, d'accord. Houma, par cet effet-là, par le biais de l'accord AD ou de la clause AD, ils ont effectué plusieurs essais nucléaires. Les premiers essais nucléaires, Hattel, on va dire, l'autodétermination, je pense, 61, ils ont été effectués à l'air libre, c'est-à-dire des essais à l'air libre. Par contre, les essais Khorin, d'Arohom Souter, pour plus, on va dire, de sécurité. El Mohem, Hna, bien sûr, il y avait des circonstances à l'époque, c'était des négociations, il fallait concéder, les deux parties devaient concéder. On a même concédé l'utilisation de le port à Marcel Kibir pour une période de 15 ans. Donc, El Mohem, il y a eu ce qu'il y a eu, au moins ils ont profité de l'occasion. Mais, après, c'est-à-dire après des essais, Hadou m'a taffé au dos. Donc, Houana, il leur rappelle à leur responsabilité, chez Goulhem. Et Goulhem, qu'il y a un groupe de travail, algéro-français. Déjà, on apprend quelque chose. Au sujet des anciens sites d'essais nucléaires et des autres essais au Sahara algérien. Où nous attendons votre soutien. Il y a dit l'interlocuteur. Et ça a été même télévisé. Je vous pouvais les voir la vidéo. J'ai pas voulu mettre la vidéo là parce que pour aller plus vite. Donc, lors de la 17e session du groupe mixte algéro-français prévue en mai 2021. Ça veut dire, le délai, hatel 2021, la prochaine réunion, la France, il faut qu'elle s'engage à régler le problème et à faciliter, faciliter les choses pour obtenir des résultats. D'accord? Concernant bien sûr l'identification des sites, la réhabilitation, etc. Aïgoulana pour la prise en charge définitive des opérations. Prise en charge définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils prennent en charge à leurs frais, si vous voulez, pour faire plus clair. D'accord? Donc, prise en charge des opérations, réhabilitation des sites de Regan et Eker. Donc, ce sont les 10. Parce que Eker, les essais souterrains.
D'accord. Ouergen, ce sont les essais les canouf à l'air libre. D'accord. Ainsi que votre assistance pour nous fournir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement. Parce que Ambel, comme Belli, on va dire, les objets qui ont été mis pour les essais Hadouma, je sais pas, on a par exemple les carcasses, les véhicules blindés, ou là, parce que comme les armées Hadouma, ils ont toujours un équipement quelconque, etc., etc. Une fois que les essais Hadouma, il faut tomber de Shidiro, parce que ce sont des objets qui deviennent radioactifs, ou Shidiro, ils les ont fuit sous terre, Drgohom. Fait le cas à France, une fois que Kherjou خلاوها كيما نقولوا حنايا في الغم. دونك حنايا اون سي روتروفي بلي عندنا دي ديشي راديو اكتيف عندنا سور نوتر تيريتور مي اون سي با وين راهم اكزاكتومون. دونك هو قال لهم ماذا بكم تعطيونا لي كارت اكسيتيرا بور لوكاليزي هاد لي ديشي هادو باسكو سون دونجورو. داكور دونك فوالا ainsi que votre assistance pour nous fournir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement non découvertes à ce jour des déchets contaminés radioactifs ou chimiques. Donc il était très clair. Donc, comment on a la lecture de on va dire, Monsieur Shengriha, on va dire, il a appelé l'armée française à prendre ses responsabilités. À prendre ses responsabilités, ils veulent réellement qu'il y ait une relation correcte avec l'armée algérienne, avec l'Algérie en général. Il faudrait, on va dire, donner des signaux forts. D'accord? Parmi les signaux, concrète, il y a le traitement des déchets Hadouma et la prise en charge, on va dire en gros le nettoyage les résidus Hadouma, bien sûr, avec en collaboration avec les Algériens, avec l'armée algérienne, etc. Et de ce fait, كل شرح يتعلق بهاد الحكاية هادية d'une certaine manière. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de très important. Où هنا les Français حتى في une situation, on va dire, je dirais pas difficile, loin de là, mais donc ça c'est très important. Bien sûr il y a d'autres dossiers, notamment bien sûr le Sahel, on va en parler, mais il y a déjà la barre très très haut. C'est même la charge la jamaa باش نكونوا bien clair, cette histoire هذه لازمها تريغل وتتريغل ماذا بكم d'ici le mois de mai. Donc jamaa اللي يقول لك par exemple l'Algérie ou France, non, نقول لك l'Algérie, elle est très très difficile, quand il s'agit de sa souveraineté et quand il s'agit, on va dire, de quelque chose qui porte atteinte, on va dire, à l'intégrité de la nation. D'accord? Qui goûte l'intégrité, y compris quelque chose qui fait du mal à l'Algérie, même au aucun taqdim. Donc voilà, ça veut dire quoi? Je qui me goûte le ballon d'Arkawandam. Donc la balle est dans le compte. D'ailleurs, moi, et ça ne tient qu'à moi, un chouf Belli, quelque part ils l'ont mal pris. Quelque part ils l'ont mal pris. La première chose, c'est que le bonhomme en face, c'est-à-dire le général de la France, il n'a fait aucune déclaration. Chose, moi, je ne sais pas. Peut-être un petit peu fait la politique française où il n'a pas le droit de le faire. C'est possible. Mais, ça soulève des questions. Même pas avec une petite déclaration. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Je dirais que, dans l'ensemble, j'ai eu un terrain d'entente où je pense qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. D'après Ushani Chopin, ça ne tient qu'à moi. D'accord? Donc, vous allez voir donc le contenu tu as les déclarations tu as Shengriha, on parle de déclarations yani ouvertes au public hein. Ce n'est pas du secret, c'est du secret défense. Donc
هنا وشوفوا جماعه باللي جوست ابري كوم بارازار، وعلاه نقول لكم انا يا ان تروك اوكي بالك اني غلط بتتر كو سي جوست اون كوسيدونس، مي كوم انا قلت لكم قدها المره نجني كروا با انا الكوسيدونس في لي ريلاسيون انترناسيونال. نشوفوا باللي جوست ابري c'était prévu qu'il y ait une délégation française bien entendu avec le ministre تاعهم le premier ministre تاعهم Jean Castex. C'était prévu un homigéo. J'ai une grosse délégation, une visite officielle pour discuter de dossiers importants, etc. Ben, à la dernière minute, ils ont annulé. Ils ont annulé. Je pense qu'ils ont annulé juste après d'ailleurs la rencontre avec le chef d'état-major. Voilà, ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Voilà, précisément, le timing là. Donc, à la lecture, moi, je dirais qu'il y a une relation. Je pense qu'il y a une relation entre ce qui s'est passé entre le chef d'état-major, parce que le chef d'état-major de France, déjà il faut savoir que Kenho est déjà fait le Mali. Il a rendu visite au Mali, je pense, si je ne me trompe pas, à Tunis, ou là il est reparti en France. Ça il faut vérifier pour être sûr, je m'en. Mais en tous les cas, Belibi Ken fait le Mali, Mbadja. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va dire, la discussion entre militaires, quelque part, elle a primé le calendrier, elle a primé sur la visite à le civil. D'accord? D'où l'importance de la rencontre. Donc, juste pour ça, il y a eu l'annulation d'une rencontre qui était prévue depuis un moment très important. Ou comme ils disent au Belli, côté français, ils disent que c'est dû, on va dire, au problème de la Covid, ni pour des raisons sanitaires. D'accord. Je n'y crois pas. On a dit qu'il y a un lien avec le résultat, on va dire, les résultats de la rencontre ou les positions algériennes dans la question, notamment qui m'ont dit comme les conditions, on va dire, de l'état-major de l'Ahna. Pour qu'il y ait un accord, on va dire, ou là, des accords de coopération mleh entre la France et l'Algérie. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu l'annulation de la visite de Jean Castex. Et nous, on n'accepte pas, vu que la France elle a réduit le statut. Pour qu'il y ait un déplacement de seulement 4 ministres, bien sûr, y compris le premier. L'Algérie, elle a refusé. Mais la France, elle a dit ça uniquement comme prétexte, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. D'accord, je m'en. A dit la lecture, vous allez me dire votre avis sur la chose. Donc, là, c'est un article dans Le Monde, Monde Afrique. En Algérie, l'armée demande à la France de décontaminer les sites des essais nucléaires. Tout simplement. Donc, elle dit que c'était une déclaration du chef d'état-major Tana, M. Chengreha. Il était, on va dire, certaines règles et usances. D'accord. Elle est avec si on peut employer le terme diplomatie, il fait les relations militaires. Pourquoi pas? Donc il a été diplomate. Mais là, il dit les choses de manière directe. Donc, l'Algérie, l'armée demande à la France de décontaminer. Point barre. D'accord? Ok, on va voir maintenant. Je vois maintenant des déclarations de le staff concernant le Hkayahed. La France doit assumer ses responsabilités historiques et décontaminer les sites des essais nucléaires effectués dans le Sahara dans les années 60, a déclaré un haut responsable militaire algérien. Plus de 60 ans sont passés après le premier essai nucléaire en Algérie, la France persiste dans son refus de livrer les cartes révélant la localisation de ses restes nucléaires. Pourquoi ? Point d'interrogation. A déploré ce haut gradé du commandement des forces terrestres, le général Bouzid Boufrioua, dans l'édition de février de l'influence revue du ministère de la Défense El Jeish, publiée dimanche 7 février.
تشوفوا selon le général Boufrioua, la remise des cartes est un droit que l'État algérien revendique fortement, sans oublier la question de l'indemnisation des victimes algériennes des essais. Donc, le dossier Hataya, à un moment où l'Algérie a déjà demandé, où les Français tafaudou. Ce qui fait que Kija, le bonhomme pour discuter, entre autres, de moi je dirais que Humajaou. كانوش حاطين هذا الدوسي هذا هو يعني الطاب جو بارل بيان سور لا ديليغاسيون فرونسيز كانوا جايين يهضروا على امور اخرى نوطامون جو ديري لو دوسي لو بلو بيرولو هو تاع الساحل داكور جو ديري اوسي لا ليبي جو ديري اوسي كالكو اسبي ان ماتيير دو لو كونترول تاع لي فوا ماريتيم لا ميديتيراني باسكو لالجيري درك سي ديفينو ان جوار انكونتورنابل. Bien sûr, Kija, Jibdoulou, Tanahna, Galoulou, dit, mais t'as le dossier est très important, les hommes comptent régler. Voilà, parce que déjà, Hadro, il est manqué. En quelques mois, ou là. Ouais, la période d'un an, le monde est là. Hattohom, vraiment dans une situation extrêmement délicate. Bah, c'est pas, je dirais, c'est une situation délicate, dans la mesure où, quelque part, je dirais que, il s'attendait pas que ce soit aussi important que ça. Je dirais, un bel appel important, mais il dit, bon, la relation franco-algérienne, peut-être, c'est pas, finalement, d'ar dossier, hada, d'ar, khrjilhem, kima ngoulou, hna, ya, khrjilhem, rnib, kima ngoulou, hna. Bel ammiya. D'accord? El mouhem. Donc, nkemblou, ha hawa. Le 13 février 1960, à Alghan, dans les herbes du Sahara, la France procédait à son premier essai nucléaire, baptisé Gerboise Bleue, une bombe au plutonium d'une puissance de 70 kilotons. Donc, je trouve que c'est quand même 3 à 4 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Au sol, les autorités françaises avaient assuré 3 jours après l'explosion que la radioactivité était partout très inférieure aux normes de sécurité admises. Donc, une affirmation. Mais des documents déclassifiés en 2013 révéleront toutefois des retombées radioactives beaucoup plus importantes que celles admises. Bien sûr, toujours le mensonge. À l'époque, s'étendant à toute l'Afrique de l'Ouest et au sud de l'Europe. D'accord. Donc ils ont dissimulé certaines vérités. Et Al-Kbeli, c'était pas aussi radioactif. Finalement, ça a été. On a pollueur-payeur. D'accord. Le dossier des essais nucléaires est l'un des principaux contentieux mémoriels entre Alger et Paris. La France, qui a colonisé l'Algérie de 1830 à 62, a procédé au total de 17 essais nucléaires au Sahara algérien entre 60 et 66, sur les sites de Regan puis d'Ain Iker. 11 d'entre eux, tous souterrains, sont postérieurs aux accords d'Évian de 62. Qui actait l'indépendance de l'Algérie, mettant une clause permettait à la France d'utiliser jusqu'à 67 les sites du Sahara. D'accord. Donc ça a été des accords d'Évian, ça a été quelque chose de très très difficile, très très difficile. C'était pas des négociations faciles. Bichtrer j'étais une puissance. Alors, la France à l'époque c'était une vraie puissance. D'accord. Il fallait à tout prix trouver un terrain d'entente, bien sûr, en profitant de tout. Khrejna avec des accords, bon, malheureusement, Merkaw un point fi hadi, mais bon, on peut pas tout avoir là, en tout temps. Mais ma'lish, hana drak, on est en train de rectifier le tir. Ou hakak, ou malgré ça, mzal ou gadi ni saab. Jtoufou billi, França, ana mntiqch fahaba, sarahat. Lbka andras lmit, lazm li fi. المهم دونك لحقنا قلت لكم الدوسي هذا هو المسقي داكا بيان سور لي دوسي الاخرين ثاني سون امبورطون با واش نقولوا هنا يقولوا بلي او كور دو ميمون تاع فرنسا لو كومبا دي زيرادي دو سارا باسكو اون ا يو تاني دي جون كان لا فاموز افير تاع لي بريزوني هذوك كي اون ايتي qui ont été utilisés, les tests, etc. C'est un crime contre l'humanité. Il dit, le Mohamed, d'où c'est Khemj? D'où c'est Khemj?
يعني رانا في الديبي، مو جو ديري كو نو سوم او ديبي، مازال يزيدو يخرجو دواسا. داكوغ، لا فرانس دوا اسيومي سي ريسبونسابيلتي هيستوريك سورتو ابخي كو 122 états de l'Assemblée générale de l'ONU ont ratifié le 7 juillet 2017 un nouveau traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui vient s'ajouter au traité antérieur, a estimé le général algérien. Le principe du pollueur-payeur y a été d'ailleurs introduit et reconnu officiellement. C'est la première fois que la communauté internationale demande aux puissances nucléaires de rectifier les erreurs du passé. Selon lui, ces essais ont causé un grand nombre de victimes parmi la population locale et des dégâts à l'environnement qui perdurent, hélas, jusqu'à nos jours, dit encore le général Boufrioua. D'accord? Donc, je trouve que c'est du sérieux. C'est un problème sérieux qui doit être réglé pour qu'il y ait une amélioration dans les relations entre la France ou l'Algérie, à l'aqal min le janb hada, le janb al-askari. D'accord? Donc, on va voir les autres dossiers. Les autres dossiers ont bien, je dirais, l'affaire de le Sahel, qui touche la sécurité nationale algérienne. Je pense que le jeu de l'Irhab, ou là qui va dire le jeu de l'Irhab, معروف, on va tourner déjà des vidéos. Et on a vu que la France, quand il s'agit de régler les prises d'otages, elle paye les ravisseurs. وهذا احنا ما يساعدناش باسكو الشيء هذا ما يصرش في لازون تاع فرنسا بصح يصرى عندنا نحنا لازون تاعنا نحنا. هذه سي اون كارت جماعه نعت لكم لومبلور تاع لو ديبلومون ميليتير فرونسي. داكور، ها هو دونك هنا واش يقول لك؟ يقول لك ديبلومون اوبيراسيونال دي فورس ارمي فرونسيز بلوس دو 30000 ميليتير فرونسي. سي كان ميم كونسيكون 30000 بيرسون اترافير لو موند. يا جماعه نشوفوا لهنا باركان، باركان pardon, c'est 5100 militaires. Ah, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. Donc c'est la zone, c'est la zone Kemla. Je vous fais un marron, clair. D'accord. Là, c'est la présence française, de marron français. Là, 3750 militaires. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Djibouti, Émirats Arabes Unis. D'accord. شوفوا يعني سي كمان كل جيبوتي عندها 1450 سولدا ديبيشي. داكور، دونك سون براتيكمون يعني لا زون هادي كامله يعني سون بارتو، سون بارتو. دونك نقولوا لي زيمارا عرب يوني سا فدير كسي الموين اوريون. دونك اي بور فو دير هنا فورس دو سوفرينتي. Ça veut dire, je pense, là, c'est les territoires français, là. Territoires terres. Donc, il y a les Antilles, la Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Donc, là, il y a la zone A, en bleu. D'accord. On bat, quoi d'autre? Il y a Chamal, Hadia, opération Chamal, il fait 600 militaires, il fait en Syrie, en Irak. Plus près, je dirais que ce sont des forces spéciales qui opèrent en Syrie, Irak. Zid عندك مع l'ONU, 740, 150 militaires dans le cadre de l'Europe, l'Union européenne. Mission maritime, kif kif, 3750 militaires. Atlantique Nord, Golfe Arabo-Persique, Golfe Guinée, Jeanne d'Arc, je sais pas quoi, maintenant, elle-même. Groupe aéronaval. Le groupe aéronaval 2400. T'as des porte-avions terre. Adam a des missions maritimes. Dans le cadre de l'OTAN, Adam 400 personnes, 400 militaires. Les Houa, pays baltes. Car 300. A dit, mais c'est pas clair. Là, non. En tous les cas, ça c'est juste pour vous donner une idée du déploiement terre. A dit, c'est le site officiel terre de l'armée française. D'accord. Pour vous dire. Donc, c'est un joueur quand même, je dirais que c'est un joueur costaud. Mais pour le moment, malgré les difficultés, toujours un budget conséquent, plus de 60 milliards de dollars. Mais pour vous dire. D'accord. Donc, là, on va voir les dossiers, mis à part le nucléaire.
كي فريمون يعني ان اوبستاكل. عندك هنا قلت لكم باللي كما حكينا في الديبي الحكايه تاع السيموك هذا لو سيموك هذا يلا الجيت قاعده ترانفورسي فيه. وانا في لا فيزيت تاع مسيو قايدي يا با لونطون او ساحل بونسو مالي ولا الى بارلي دون مانيير يعني تري كلير قال لك باللي يعني فوق كولابور اكسيتيرا. وهذا ما عجبش فرنسا واو هنا يقول لك فاس على مناس تيرويست او ساحل الجيري غولونس لو ديسبوزيتيف دو ديفونس دو سيموك. هو le CEMOC, comité d'état-major opérationnel conjoint, s'est réuni ce mardi à Bamako en présence d'une délégation militaire algérienne de haut niveau. La rencontre s'est déroulée dans un contexte régional très tendu, marqué par les tentatives de redéploiement et d'avancée du groupe terroriste Al-Qaïda vers des zones qui lui échappent jusque-là. Kingo, le groupe terroriste Al-Qaïda, ça veut dire service secret, là, et on peut aussi, comment dirais-je, quand il y a des terroristes comme ça, ça veut dire que ça attire les puissances. D'accord. Et quand on dit puissance sur la région, gros, la France. D'accord. Ce qu'il faut d'abord savoir est que le CEMOC est une organisation militaire créée en 2010. D'accord. Sous l'égide de l'Algérie. Pourquoi? C'est pourquoi ils l'ont saboté. Et regroupant la Mauritanie, le Mali et le Niger, basé à Tamanrasset. Sa mise en place avait alors été perçue comme étant une véritable bouée de sauvetage pour ces trois pays du Sahel plongés dans la perpétuelle menace des groupes terroristes, aggravée par l'arrivée d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, mais aussi surtout confrontée à un violent rejet de la présence des forces françaises, la présence des forces françaises par leur opinion interne. Donc, le Chab Krah, qu'on ne veut plus des contingents français dans la zone indienne. Le CEMOC. Sa création est cependant suivie d'une très longue période d'inactivité que les initiés imputent à l'instabilité politique de la plupart des pays qui le composent et au jeu d'influence étranger dans la région. C'est clair. Quand on dit étranger dans la région, on connaît la France. En 2019, Alger annonce la réactivation du CEMOC et accède officiellement à la présidence tournante. Ah ouais, non, il y a que tout comme à partir de 2019, parce que l'ancien régime, quand le mec est plutôt, il donnait plus, comment dirais-je, pour être gentil, on va dire qu'il donnait beaucoup de points à la France, pour ne pas aller plus loin. D'accord. Il y avait, on va dire, un gros problème à cette époque-là, où bien sûr on a vu d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé. بلي لارمي وقفت مع الشعب وقلت لهم كل سي المومون دو بارتير داكار. ومن بعد ياو خي لامبريزونمون اكسيتيرا. يعني بور فو مونتري بلي ياو ديجا ان بروبليم ا سيت ايبوك لا وهنا قاعدين نشوفوا لي كونسيكونس تاعها. دونك فوالا هاد دو تيروريزم اكسيتيرا دركا وسامبليك كيما قلت لكم لي بيسونس اترونجير كي نقولوا نهضروا حنا بور لو مومون بار دو لا فرانس داكور لي ايتازوني اوسي فا تو ليت مي هادي البلاصه معروفه باللي فرنسا هي اللي تلعب فاهم بك. دونك لو سيموك هذا جماعة تاني سي تان بروبليم ليهم هما سي بور سا كي لي فوني البونوم لي فوني بور فوار كيفاه وعلاه وش راح يكون بدير الامباكت تاعها على لو جي 5 تاعهم هما كين فورين دي تو فو دير سكيلوني فورين دي تو ديري ميم كي لا دو سيرتان مانيير اغرافي لا سيتياسيون هذا واش نقول دونك الدعوه ما هياش درك لحقنا هذه الحاجه اللي قلت لكم ماشي ملاحه حاجه هذه قلت لكم انا ماشي ملاح انا في لا فيديو هذيك اللي درتها صافي مومون قلت لكم بلي هما سولون لي دير تاع لو جينيرال يا فين جينيرال دو بونس تاع لي فورس تيرستر لي دار ديكلاراسيون قال بلي حنا حابين نجيبو اون فورس ملتي ناسيونال بيرمانونت في الساحل مالوروزمون اي سون تران دو لو كونكريتيزي ديفيسيلمون مي قالو كي فا دوسمون فا سيرمون Ils sont en train de le concrétiser. Ou à dire, mais à dire, je dirais à partir du mois de
partir de هاد لو موا هذا جو بونس لا سويد اوسي سي جوانت الحكايه هذه وعلاه نقول لكم باسكو ديجا اوباراڤون يافي دي بي او ديبي كي سو مانيفيستي بصح ايزون دوني ان اكور هكاك فيربال درك بدينا ندخلوا في الكونكري وهذه ماشي ملاحه لينا حنا وعلاه ماشي ملاحه لينا حنا باسكو هنا لا فرنسا راح تولي عندها اون كوفرتور كيفاه نقصد باللي سون سورا بلو ما عادش تتعامل مع فرنسا راح كي تكون يصير ان بروبليم راك عندك ان بروبليم مع اون ديزان دو بيي داكور فان اون ديزان دو بيي سي جوست بور دير مي هنا واش يقول لك هناك لونيون اوروبيان اللي فيها فرنسا بلجيك دنمارك استوني المانيا هولندا نرويج برتغال سويد انجلترا ولا غريس تاني بيانتو با هنا يعني بور لو با سون برويي هذه سي كوا جماعه سي لا تاكوبا تاسك فورس تاكوبا تاسك فورس هذه هي كيما قلت لكم لا فورس اللي كان يهضر عليها هذاك لو جينيرال وقال بلي حابين نديروها وتكون بيرمانونت اكسيتيرا في الساحل بور لا لوت انتي تيرورست بيان سور سو ليجيد كوموندمون فرونسي هكا هاي اوبيراسيون سبيسيال لي اوبيراسيون سبيسيال تاع فرنسا اوكي دونك ها هو يقول لك سي هذه تاكوبا تاسك فورس سي اون فورس اوروبيان ميليتير اكسيتيرا كي ديريجي بار لا فرانس pour accompagner et assister les forces maliennes, d'accord, qui coordonne avec le G5 Sahel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Hadi, c'est une force qui coordonne avec, on a déjà le dispositif G5 Sahel, qui fait l'opération Barkhane, ou on a comme Hadi, elle est sortie, donc pour moi, c'est une ruse. C'est une ruse qui, ça ne tient qu'à moi, c'est pour contrecarrer les initiatives de l'Algérie. Parce que c'est la seule puissance, la seule véritable puissance. D'accord? Je vais vous dire que les hadras qui ont été faits, ou les craintes qu'on avait à cette époque-là, enfin, à cette époque-là, ça fait quelques mois, dans le leader de la vidéo, d'accord? Vous pouvez aller la voir. Finalement, ça se concrétise. Ah, oui. Donc, en mars 27, les gouvernements de Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Mali, Niger, Hollande, Norvège, Portugal. Hadma Mali ou Niger, c'est symbolique. D'accord. On essaye de les ramener vers le CEMOC. Mais c'est très difficile. Très très difficile. Parce qu'il y a de l'argent là. Non. Parce qu'il y a des pays, Hadma y a tout Mesrofa. Ou Hadma les pays, Tatelo Mesrofa, pour lui, c'est tout ce qu'il cherche. Le reste, Dilblad Kam. باش يفهم دونك احنا ما تساعدناش دونك هذا هو المشكل دونك هنا هاد الحكايه هادي سي با بون لينا نكملو جوست بور بار بلوس دو ديتاي دونك فوالا كيما قلت لكم بون مالي نيجر هولندا نورفيج برتغال سويد هادي كي غير اي رويوم اوني هاد ما قالوا باللي بون مي دروك جو بونس سي كونكري باسكو هادي قديمه شويه سي تو باج ويكيبيديا يقول لك انتغراسيون دو كوموندمون افيك لا فورس باركان دونك يخدموا مع بعض كيلكو بار يقول لك دو تونتي تيرورست اكسيتيرا دون لا ريجون ليبتاكو ريجون هيستوريك دون لو ليست دو بوركينا فاسو دو سود ويست دو نيجر اكسيتيرا بتيت بورسيون سود ايست دو مالي لا فورس هادي دو نون تاعها سي تاكوبا Bon, il dit que c'est pour donner, pour entraîner, etc., assister les forces maliennes. Mais bon, c'est sûr qu'ils vont participer d'une manière concrète. Le problème, c'est que moi qui m'a entendu le général, c'est qu'il est permanent. Donc, ils vont se doter de moyens conséquents. Ils vont être, je dirais même qu'ils vont établir une base permanente. Et ça va venir doucement. Parce que ça coûte de l'argent, l'histoire. D'accord? Peut-être que ce sera un échec. On n'en sait rien. En tous les cas, il vaut mieux que ce soit un échec. Parce que demain, je ne sais pas si c'est un échec. Al-Muhim. Ah, il dit que les forces estoniennes aussi, qui étaient déjà là, mais d'où les forces estoniennes?
المهم يا بلوس vous pouvez aller je m'a je m'entends بزاف c'était juste pour vous dire que malheureusement قضية هذه دارها دارها دونك هما راكم تشوفوا هذا الشيء كامل وعلاه جا لو جينيرال اون شيف تاعهم باسكو كاين دي دوسي يعني خامجين منهم الحكايه اللي لو ليتيج تاع النوكليير دي ديشي نوكليير دي سيت اكسيتيرا منهم لافير تاع لو ساهل افيك لو سيموك لو جي 5 ساهل كونتر لو سيموك اي فيس فيرسا ومن بعد لا كارت هذه اللي خرجوها لك راه هما هي تاع لا تاكوبا هذه اللي قلت لكم عليها انا ماشي ملاحه هكا دركا بتاتر سي جوست ان تي كونتينجون مي غدو تولي لك اون باس باسكو هنا سي لوطون جماعه كنت تشوف هذوم لي بي هذوم كل لا بليبار تاعهم بور نو با دير كل راهم داخلين في لوطون سي لوطون هما ماكياوها يقول لك اوروبيان هنا مي نو سي فو هادي سي اون سي ان ديبلومون تاع لوطون في لي فرونتير تاعنا حنا من الاخر باش نسهلها لك هذه هي دونك لينا حنا ماهيش ملاح ما فيها سي ني كو ديبي كيفاه وعلاه ومعاهم لي امريكا يلعبوا كيبا هكا في المانيا بيزار المهم هذا وعلاه قلت لكم انايا يعني سيتي بلوس كومبليجي انهم يتلاقاو ها وعلاه جا دونك باش يجيك لو شيف دي طاماجون تاعهم سي كو الدعوه راهي كانش ما تنساوش باللي il y a eu aussi la clause تاع حنا تاع تاع الدستور اللي ما تعجبهمش اللي هي الانترفونسيون تاع لي فورس الجزائريان باسكو على ليبوك لي فورس الجزائريان كانوا يعني زافي اون بارير كونستيتيسيونيل مي درك سي با لكا درك سي سور كو ماش راح يخرجوا لي فورس الجزائريان ماش يخرجوا كيكا مي بور سا لي ديرونج يقول لك هذا يفانو يفانو بيرتوربي باسكو حنا ماناش معاهم باينه ماناش معاهم مشنا معاهم حنا سي كلار و لو فات لي درنا و نا رياكتيفي لو سيموك سي انكور يعني اون بروف يعني بلي رانا ماناش معاك مشنا مستعرفين لا بالجي 5 رانا مستعرفين لا بالتاكوبا هادي حنا رانا عندنا اون اوتر فاسون دو فوار هاكا المشكل تاعنا حنا سيك هاد البلدان هادوما كل بلدان كسوا تاع الساحل ولا مام لي زوتر ميزا بار لافريك دو سود و كيلكو بيي هكايا ماشيين هاد البلدان ما عندهمش سوفرينتي ماشيين مع مع فرنسا ماشيين دراع دو سيرتان مان با درك لي شوز سون بيتي بو هاك اون تران دو شونجي مي الحق مازال انا بور مو مازال يونكور بوكو طرافاي افا ولا ديبلوماسي تاعنا مازال هادي تخدم مازال هكا هاي لا بروف بروف سك هادي تاكوبا هادي كانوا يهضروا عليها Ça a été très difficile parce que les États-Unis à un certain moment m'aiment. Pour que les Européens ils veulent s'engager. D'après le Shenigan Chou. Et le Mohem. Qu'est-ce que je crois 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 que on va voir aussi que dans un autre contexte, qu'il y a les acquisitions militaires qui ont dérangé aussi la France. منهم بار اكزومبل لو بالاياج تاع لي رادار تاعنا في لا زون تاعهم لا زون باركان داكور لو نور دو مالي ما عجبتهمش داكور ودرني انا مو هادي هاو هضرنا عليها ديجا وكي اون طران ابارامون جوسكا مينون اون ما با فيو كيك شوز دو فريمون كونكري مي جو بونس كيليا كيك شوز دو كونكري اللي هي لو سيكوي 34 لو سيكوي 34 بروبليم كبير لفرنسا D'accord. Ah, il dit que l'Algérie réceptionnera prochainement 14 bombardiers moyens de Sukhoi 34. A dit, c'était daté du 14 mars 2021. D'accord. Selon Mena Défense, je pense. Ou en a dit que le Sukhoi 34, laisse l'Algérie dire des mains et des pubs, je dis. Parce que, mais où est-ce qu'il m'a taillé à l'Ukraine? Ada, c'est vraiment un avion, yani, qui est destiné à déséquilibrer, on va dire, les conflits. D'accord. On va causer un déséquilibre. Les conflits. C'est une force de dissuasion, l'avion. Ou Hadana, je pense, tennis, ça a été aussi un objet de, peut-être, on a essayé de savoir plus, en quelque sorte. Mais c'est sûr, on a joué au bredouille. Je suis certain que,
واش كانوا حابين يديروه جو سوي سيرتان كو سايتي ان ايشيك دابري واش راني غنشوف و جو بونس مش عاجبهم الحال وهو قلت لكم داير ايزون انيولي هذيك لا فيزيت تاع كاستكس اكسيتيرا اكسيتيرا وليا ما تجايه باسكو يفوا اتوندر لو مود مي باسكو هو قال لهم عندكم حتى لو مود مي سي ان جور دو التيماتاب ان كيلكو سا وهو قالها وسايتي سايتي فيكس بري لون تيليفيزي وقلت لكم ميم لو شيف دي طاماجور تاعهم ما في اوكين ديكلاراسيون سي بوز دي كيستيون. Bon, mis à part ça, la cérémonie d'accueil, etc., ça a été bien. Une ambiance correcte. Mais, je dirais que les dossiers n'ont pas été réglés. Ah, le monde n'a faim. Ça veut dire que les dossiers, Kamel, Mzel ou Mahloulé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, selon ma lecture, il n'y a pas eu des résultats. D'accord. Donc, هما من جهتهم وحنا نضربو من جهتنا. هكا. ما نهضروش على ميديتيراني، ما نهضروش، يا نافايا. باسكو نكون نكملو نطولو. سوا بروندر جو سي با كومبيان دو طون هاد لا فيديو. فوالا. لو سوكو 34 كيما قلتلكم سيت ان بروبليم اوسي. هما عندهم هاد لي بروجي لي دايرينهم تا كوبا جو سي با كوا. وحنا تاني رانا نخدمو. عندنا دو ماتريال انا نخدمو كي شفتو لي مانوفر كازيمون لي كينصارت با قبل ما ننسى تاني ايزون سيرتينمون دو ديسكوتي دو لافير تاع لو سارا اوكسيدونتال سي تري بوسيبل بلي باسكو شافو بلي درك يا با ديسو باسكو فو كومبراندر بلي لو ماروك سي كيلكو بار سي لا فرانس كي كوموند معروف هذه D'accord, on a 180 millions de livraisons d'armes à crédit, le Maroc. D'accord. Et pour vous dire, donc certainement que l'affaire de Sahel al-Gharbi donc les Rahimesh, c'est un conflit ouvert. La France a un rôle fait. On va dire armée le Maroc, avec les États-Unis, bien sûr. Et pour vous dire, et ça c'est pour ne pas les oublier, les dossiers. هذا هو دونك كيما يقولوا الحديث باقيه الحكايه مع فرنسا ني با انكور تيرميني و ني با بريت دو سو تيرميني في راينا والبالون كامل راهو في دمهم سي تا او دو ديمونتري اون فيريتابل بون فولونتي داميليوري لا سيتياسيون وما تعين ليش انا راح نمشي فيهم تعين ليش راح يبقاو توجور متهورين وراح يبقاو توجور افيك لور نتير هذاك الاسبري كولونياليست هذاك هو اللي راح كي فا بيزي في لا ريلاسيون هذه مالوروزمون دونك انا سينسيرمون جو سوي با تري اوبتيميست جو با تري اوبتيميست مع فرنسا سينسيرمون جيمري بيان كون غالط جيمري بيان كون غالط جيمري بيان كو يعني لي زاكتواليتي يعني افنير يخرجوني كذاب J'aimerais bien. Mais je ne suis pas très convaincu. Aspchouf, non. C'est pas, on va dire, c'est pas en bonne voie. Kaina tel est oubet. Il n'y a pas de la sincérité dans ça. Parce que là, je me chauffe, je n'ai pas de matin, j'ai trop de bouquet dans le noir. Moi, je suis de ma terrain, il y a de là. Donc, je m'en t'aoulche, bzef, je m'en. وعليه ما نطوش بزاف باسكو سي سور كون فون كور اون بارلي دو دوسي هدايا مازال فيه ما نقولو هادي هي انا جي فولي بارطاجي معاكم تي بو ما فيزيون دي شوز كاينه امور كيما قلت لكم دو سيكري ديفونس اون تو لي كا برافو بور لا ان بي جو رميرسي لو شيف دي طاماجور عمي شنقريح نقولو عمي باسكو بون c'est la différence d'âge etc traditionnellement parlant on a du respect des gens maintenant d'autant plus la position de roue donc soutien total mais si je peux me permettre aussi de donner je ne dirais pas un conseil juste une idée comme ça
ردوا بالكم ما تمنوهمش ما تمنوهمش ils sont extrêmement rusés il faut toujours يعني rester sur ses gardes parce que هذما ce sont des relations géopolitiques donc la géopolitique ما كانش حني حن وهذه انا bon je pense que qu'ils le savent donc voilà merci beaucoup pour tout le monde jamaa ou à la prochaine inchallah bon courage